Et salut la commissaire, salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du suivi de mon aventure avec les résultats de la Game Week 294. Donc pour le coup sur cette Game Week on a présenté pas mal d'équipes, on avait quand même pas mal de choix en termes de panel et on a présenté une des premières underdogs limited. En général je suis beaucoup de spécialistes, beaucoup moins d'underdogs, mais j'ai décidé de tester, j'avais des cartons rab, voilà. Comme vous le voyez, de toute manière, on n'avait pas grands espoirs au niveau de la Game Week parce qu'on a quand même des joueurs qui sont des scoreurs très moyens, d'où le fait qu'on puisse aussi les mettre en underdog. Pour le coup, j'ai choisi de partir donc, avec un gardien, mais en underdog qui compte pour du beurre, donc un gardien Togo Umeda qui est remplaçant, qui est un espoir pour la suite, en tout cas, dans mon club. On avait ensuite Kashif Banyagrand. Vous savez, Kashif Banyagrand, je l'ai recruté, je l'ai notamment super rare. Je l'avais recruté parce qu'il revenait de blessure à Tokyo. Alors, depuis qu'il est revenu, c'est quand même assez mitigé en termes de score. Mais pour le coup, il va me faire un 33-4. Donc, ce qui reste correct, on va dire, pour un arrière latéral qui joue dans une équipe qui se prend deux buts. Donc, il assure pas le clean sheet. En général, Banyagrand, c'est quand même assez bas au niveau de ses scores. En tout cas, actuellement, il avait fait l'année dernière quelques apparitions très intéressantes, notamment en termes de score sur rare. L'année dernière, c'était plutôt pas mal sur ses apparitions. Maintenant, voilà, il est un petit peu baladé, Kashif, au niveau des côtés. Il peut jouer à droite et à gauche. Il est pas mal baladé par le coach. Pour l'instant, il n'est pas trop en réussite, il est encore très jeune. Il revient d'une blessure quand même assez importante qu'il a tenu écarté voilà, une bonne demi-saison l'année dernière. Donc ça ne m'étonne pas, je lui laisse le temps de revenir. Lui, c'est un joueur pour le long terme. Donc pour l'instant on garde. Ensuite on a Sota Kawasaki. Sota Kawasaki donc, qui jouait contre les Kashiwa Reysol. Donc un gros match pour eux. Un match où bien évidemment ils partent pas favoris. Effectivement hein, Kyoto Sangai monté cette année. C'est quand même une équipe qu'on voit plus en bas de classement. Ils ont fait des débuts intéressants. Ils ont quelques bons joueurs dans leur équipe. Notamment Ogiwara et l'attaquant Utaka qui malgré son âge très très avancé pour le football, reste encore un attaquant intéressant, renard des surfaces. Il met ses petits buts régulièrement, même si clairement, voilà, c'est plus un attaquant qu'à la force de la jeunesse. Mais il joue quand même très intelligemment, il s'économise et il a été pas mal décisif cette année. Donc vraiment, c'est un effectif qui a quelques bons joueurs quand même. On pense aussi à Ogiwara, donc, qui est prêté du Urawa Red, qui est aussi un très très bon joueur, qui fait quand même des bonnes paires. Je l'avais vu en D2, je suivais ce club en D2 l'année dernière sur quelques matchs, notamment pour Ogiwara. Et on a un contenu quand même très intéressant. Maintenant, clairement, ils ne sont pas favoris. Donc voilà, c'est assez compliqué. Cela dit, Sota Kawasaki, c'est un milieu qui fait quand même des très bons matchs. Il est encore très jeune, je l'ai pris, pourquoi? Parce que je pense que l'année prochaine, il partira, à mon avis, pour un meilleur club, pas forcément un club de haut de classement, notamment parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs dans les clubs de haut de classement au Japon. Il faudra voir un petit peu le mercato qui va arriver, mais si ça reste dans l'état, je pense qu'il aura sa place, mais pas dans un top club, je pense dans un club de milieu de tableau. C'est un jeune espoir japonais, donc à voir un petit peu ce qu'il va donner. Il fait une bonne saison cette année. Donc vraiment, à mon avis, il trouvera un club qui pourra l'accueillir. Il me fait un bon score, 46-6. C'est loin d'être mauvais. Maintenant, voilà, en termes de score, on est à 11-6. Score complet, c'est pas oufissime, c'est pas non plus mauvais. Maintenant, on s'attend à mieux, forcément, si on veut aller chercher une reward. C'est quelqu'un qui est capable de faire des très gros scores complets, donc Sota Kawasaki. Donc pour l'instant, pareil, on le garde et on verra un petit peu ce que ça va donner. Ensuite, on a Ayase Ueda, qui joue maintenant au club de Bruges, hein, il n'est plus au Kashima Antlers. Le club de Bruges se prend 2-0, ils n'arrivent pas à être dangereux. J'ai pas vu le match, donc je ne pourrais pas vous dire ce qu'il avait fait. Il avait fait des premières apparitions assez encourageantes, avec un gros pressing. Malheureusement pour Ueda, depuis qu'il arrive en Europe, je pense qu'il participe beaucoup au jeu, mais il laisse beaucoup aussi d'énergie. Et du coup, il manque peut-être de lucidité dans le dernier geste. À surveiller Ueda, mais pour l'instant, voilà, l'acclimatation en Europe se fait tout doucement. Hein. Il y a quand même un palier entre l'Europe et le Japon. Donc, faut qu'il prenne ses marques, qu'il soit bien ancré dans son pays, acclimaté, et qu'il puisse voilà, vraiment pleinement exploiter son potentiel. En tout cas, on voit que c'est un bon joueur. Je trouve que depuis qu'il est parti des Kashima Antlers, il y a quand même un manque.
Suzuki, je le trouve assez suffisant. Il fait pas forcément toujours les efforts, alors qu'Ayase Ueda, il faisait les efforts et il était très très intéressant. Donc ça a laissé, je trouve, un vide au Kashima Antlers. Maintenant, pour l'instant, il n'est pas encore acclimaté à son club. Va lui falloir du temps, je pense, au niveau du profil, au niveau du jeu qui est développé par Bruges. Moi, sur le match que j'ai vu cette année de Bruges, c'est quand même beaucoup de pressing. On lui demande de faire les efforts, avoir un petit peu sur la durée au niveau de son acclimatation à son nouveau pays en Belgique. Ensuite, on a Mao Zoya. Mao Zoya, c'est un bon buteur des Kashima Reysol. Donc vraiment un très très bon joueur. En ce moment, il est moins en réussite. Il a fait un gros début de saison, un peu à l'image de son club. Maintenant, il est un petit peu plus en dilettante. Il a un peu plus de mal en termes notamment de scoring. Hein, sur ce rare, c'est moins intéressant. Je lui ai mis le capitana parce que je me suis dit qu'il n'était pas à l'abri de me réserver une bonne surprise et de mettre son petit but. Malheureusement pour moi, il ne marquera pas sur ce match. Il ne sera pas décisif. Voilà, après, on sait qu'un attaquant, il ne fait que 4-4 de score complet. Donc, ça ne suffira pas, voilà, pour aller emballer un petit peu mon équipe. De toute façon, clairement, c'est un pari. Vous le savez, les underdogs et les spécialistes, je les fais vraiment avec ce qui me reste sous la main, s'il me reste quelque chose. J'ai tenté et malheureusement pour moi, ça n'a pas marché. Donc on ne gagnera rien, on fera seulement 167,20 points. Ce sera clairement insuffisant pour prétendre à une reward. Ensuite, en U23 Limited, vous le savez, c'est une compétition que je joue pas mal. Ces derniers temps, je suis plutôt compétitif. C'est en général une compétition qui rapporte, en tout cas à mon club, qui lui a rapporté pas mal de rewards assez régulièrement. C'est pas toujours des top rewards. Très souvent, ça va être entre tiers 2, tiers 3. Là, pour le coup, on a lancé une team quasiment full européenne. Il n'y a que Kego Tsunemoto, pour le coup, qui, lui, n'est pas un joueur euro. Martin Van de Voort, il fait son match. Le problème de Van der Voort, bah, c'est qu'il a du mal. Il a du mal à garder le clean sheet. Après, il fait un score qui est complet de 8-2, donc c'est correct pour un gardien. On sait que les gardiens, ce n'est pas des gros scoreurs en termes de score complet. Donc pour l'instant, 8-2, bon, bah, c'est moyen. Ce n'est pas non plus catastrophique, mais c'est moyen. Et vu qu'il ne fait pas le clean sheet, il n'a pas le passage au premier palier de score décisif. Donc on est à 35. Donc Van de Voort, je dois avouer que j'hésite un peu à le vendre. Il a une forte valeur marchande. Et en plus, bon, bah voilà, il fait quasiment jamais des clean sheets. Genk, c'est une équipe très offensive, mais je trouve que derrière, c'est très fébrile. Notamment les deux défenseurs centraux, sont pas terribles, je trouve. Ils font souvent des petites erreurs. Je trouve qu'ils sont vraiment pas rassurants. En l'occurrence, ce match-là, je vais pas m'exprimer parce que je l'ai pas vu. Donc ça se trouve, petit à petit, ils vont progresser. Mais pour l'instant, je trouve que c'est trop fébrile en défense à Genk. Et du coup, Van de Voort, voilà, il pâtit de cette défense. Et même lui, dans ses interventions, je ne trouve pas vraiment extraordinaire. C'est pas un gardien game changer, franchement, en tout cas, actuellement à Genk. Donc voilà, on va attendre. Après, il est très jeune, il est déjà un très haut niveau. Mais voilà, pour ce rare en termes de valeur, donc quand je compare sa valeur à ce qu'il me rapporte vraiment en termes de score, c'est pas folichon. Donc je pense que Martin Van de Voort va sauter. Et s'il saute, peut-être partir sur un autre projet et arrêter la U23 Limited. Je trouve qu'il faut des scores encore très très élevés en U23 Limited. Mais ça va être à réfléchir parce que la U23 Limited, c'est quand même, comme je l'ai dit, hein, beaucoup de rewards. Pas forcément des grosses, mais en tout cas un revenu constant en Ether. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une reward, bah forcément ça se revend. Et même si ce n'est pas grand-chose, 0,015, 0,020, ça reste quand même quelque chose de régulier. Donc c'est intéressant dans ce sens. Ensuite, on a Kego Tsunemoto, vous le connaissez, je l'ai en plusieurs raretés. Là, pour le coup, malheureusement pour moi, ils vont perdre. Alors, ils ont changé de coach récemment. Donc, voilà, il va falloir que ça prenne. Je ne sais pas si le coach va faire la même erreur que le Suisse qui était à l'époque au club et qui, lui, avait tendance à faire un turnover voilà, pas forcément favorable pour moi. Il a déjà mis deux ou trois fois Tsunemoto sur le banc. Ce qui est assez dommage, notamment quand on l'a et qu'on sait le potentiel et ce qu'il apporte sur le côté droit de la défense des Kashima Antlers. Donc pour l'instant, Kyo Tsunemoto qui fait un match correct, mais qui n'arrive pas à me rapporter un gros score. Kyo Tsunemoto, c'est pareil, en ce moment il est un petit peu dans le creux de la vague. J'espère qu'il va vite repartir parce que c'est vraiment un très très bon joueur. Et en plus, je l'ai en deux raretés, donc je l'ai en limited et en rare. Mais voilà, actuellement c'est compliqué. Comme je vous dis, de toute façon, les Kashima Antlers, c'est beaucoup moins attrayant, beaucoup moins séduisant qu'avant. Ça ne leur empêche pas de faire leur petite victoire. Bon, là, en l'occurrence, ils perdent, mais ils arrivent quand même à enchaîner des résultats corrects. Mais là, en ce moment, ils sont quand même dans le dur. Je pense que la perte d'Ayase Ueda y est aussi pour quelque chose. Suzuki fait beaucoup moins d'efforts. C'est un joueur très,
Voilà, c'est un peu une star et du coup, je trouve qu'il se la raconte un peu. C'est pas forcément le type de joueur que j'aime bien. Il est toujours à gueuler. Voilà, il fait pas forcément les efforts. Donc ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu chez ce joueur. Et je trouve que son équipe en pâtit un petit peu. Alors, il n'est pas le seul, hein, bien évidemment, parce que ça reste un bon joueur. Mais clairement, c'est dommage. Ils sont un petit peu en méforme, mais voilà, comme j'ai dit, il y a des cycles. Pour l'instant, ça leur sourit pas. Ça reste un club très solide. Ils ont des très bons joueurs. Donc voilà, je me fais pas trop de soucis. Je pense qu'ils vont vite redresser la barre et partir vers des meilleurs scores. Mais actuellement, c'est quand même assez insuffisant. Ensuite, on a Mike Trezor. Mike Trezor, lui, voilà, je vous en parle déjà l'année dernière. Je l'avais quand il jouait pas. Je vous l'avais dit. Pour moi, c'est un extrême. Enfin, c'est un joueur d'une extrême qualité. Il est très très bon. Voilà, on le voit encore une fois. C'est, je crois, la 3e ou 4e game week qui me fait qu'il est au-dessus des 70. Vraiment un joueur très intéressant. Il fait 98-3. Donc c'est juste incroyable. Avec 28-3 de score complet pour un milieu, c'est très correct. Surtout quand on sait que lui, c'est un milieu très offensif. Voilà, donc c'est assez intéressant. Il a vraiment un très bon profil. Il fait une passe décisive et un but. Voilà, donc clairement, Mike Trezor, un très bon joueur. On se demande ce que foutaient les entraîneurs avant un gank qu'ils le mettaient sur le banc. Quand on voit son rendement actuel, c'est vraiment. Enfin, c'est incroyable de s'être passé d'une telle qualité. Alors que gank était en difficulté l'année dernière. Hein. Je veux dire, c'est pas comme si gank l'année dernière, il gagnait tout et qu'ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient besoin de ce joueur. Quand il était titulaire, il faisait ses matchs. Il était très régulièrement décisif. Je crois qu'à tous les matchs où il était titu, il a été décisif, soit but, soit passe D. Voilà, on ne sait pas pourquoi il a été mis sur le banc, sans doute une brouille avec les coachs qui étaient en place l'année dernière. Mais voilà, depuis qu'il joue, il a la confiance. Et là, en termes de score, c'est vraiment un très bon scoreur. Clairement, je pense que Mike Trezor, voilà, il va continuer à scorer encore longtemps cette année s'il continue à avoir la confiance du coach. Et si l'équipe continue à se comporter comme il se comporte, parce que en ce moment, Gang, c'est quand même très séduisant. Je l'ai déjà dit sur mes autres Game Week, donc je ne vais pas m'attarder, mais vraiment un très très beau jeu du côté de Genk. Ensuite, on a Vitor Ferreira. Vitor Ferreira, quand il a signé au PSG, je n'étais pas hyper chaud pour le garder parce que PSG empile les bons joueurs. Et puis, voilà, vu son profil, je pense pas que c'était une priorité au PSG. Maintenant, ça reste un bon joueur. Pour le coup, depuis qu'il est là-bas, en termes de score, par contre, pour moi, Sorare, c'est quand même très mauvais. Par rapport à ce qu'ils nous avaient habitués à Porto, c'était minimum, c'était très souvent plus de 60, 65, 80. On était dans ces eaux-là souvent au niveau des Game Week, très rarement en dessous de 60. Là, depuis qu'il est au PSG, c'est quand même autre chose. Après, c'est pas le même jeu, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes égos. Mais malheureusement pour moi, ça paye beaucoup moins. Donc Vitor Ferreira, beaucoup moins intéressant. Alors j'espère qu'il s'acclimatera au jeu de son équipe et qu'il sera peut-être plus décisif ou qu'il touchera plus de balles. Mais voilà, comme je m'y attendais, il a un petit peu baissé de régime. J'ai quand même voulu le garder parce que j'avais besoin d'un turnover. Et le but aussi, c'est d'avoir une équipe européenne quand la fin des championnats asiatiques, que ce soit K-League ou J-League, arrivera, que j'ai un petit peu de quoi avoir du lion derrière. Même si là, va y avoir la Coupe du Monde, etc. Donc il y a quand même pas mal de choses qui vont être un peu, entre guillemets, spéciales cette année. Voilà, je voulais pas avoir une trop grosse trêve et dans la durée, parce que vous savez que je suis sur Sorare pour. Moi, j'estime du long terme. Après, on va voir sur comment ça se déroule. Évidemment, on n'est jamais à l'abri d'un changement qui me fait vendre ou quoi. Mais voilà. Donc voilà, je vois ça sur le long terme. Et pour le coup, Vitor Ferreira, je l'avais gardé pour ça. Malheureusement pour moi, depuis qu'il est au PSG, c'est plus pareil. Donc très certainement une carte que je vais vendre. Il a encore une petite cote. Donc autant en profiter actuellement. Et ensuite, on a Jota. Ben, Jota, le joueur des Celtics. Un joueur magnifique, hein, très clairement. Hein. Un excellent joueur. Il me fait encore un score à 100. Voilà, 24-7 de score complet pour un attaquant, c'est déjà très difficile. Mais en plus, avec 3 passes décisives, c'est vraiment un joueur en or. Voilà, donc vraiment très, très, très bon joueur qui fait le taf à chaque fois. Là, ça fait pas mal de game week où vraiment il me sauve. C'est mon meilleur scoreur, mon meilleur. C'est celui qui m'a rapporté le plus de points, je crois, en reward. Et le plus de. Enfin, le plus de points et le plus de reward. Sur mon club. Donc vraiment un joueur hyper bon. Et pour le coup que je me régale à regarder jouer avec Furuhashi en attaque. Au Celtic, c'est vraiment du très très lourd. On pourrait aussi citer Maeda qui est très très bon. Mais voilà. Vraiment un joueur hors norme, Jota, par rapport au niveau affiché en Scottish Premiership. Il est clairement au-dessus du lot. Et du coup, le club fait 373,14 points. Alors c'est absolument énorme, ce qui me permet d'avoir une tier de limited. Je suis à 7,02 de la tier 1,
C'est dommage, mais vous voyez, quand on parle des scores ahurissants qu'il faut avoir pour aller chercher une reward potable, hein, parce que c'est qu'une tier 2, alors qu'on fait 373. Donc il faut vraiment aller chercher des très 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 gros scores maintenant en limited. Alors c'est, vous allez me dire, c'est un peu pareil partout, mais quand même en limited, c'est des scores assez ahurissants. Si on n'a pas les équipes des gros joueurs qui ont mis des 1000 et des 100, ou alors qui étaient là à la base de ce rare, avec des Mbappé, des Neymar, des Messi, ça devient quand même très difficile d'aller chercher des cartes. Alors c'est pour ça aussi que je joue la U23, parce qu'en l'occurrence, la U23, les gros scoreurs, même si on a encore Mbappé, mais voilà, ce sera bientôt terminé. Là, on peut s'attendre à un Haaland peut-être, même si à mon avis, il aura peut-être pas d'aussi bon score à Manchester City qu'à Dortmund. À voir, ça reste un joueur excellent, de toute façon, il aura des bons scores quand même. Mais voilà, donc à surveiller. Mais en tout cas, voilà, faut vraiment aller chercher des scores énormes. Et c'est pour ça que je délaisse de plus en plus la Limited pour au moins le palier en rare. Et après de la super rare ou de la rare, parce que j'estime que ça devient très très compliqué d'aller chercher quelque chose. Mais c'est pareil, c'est pas le même budget. Donc voilà, faut avoir été malin, faire de l'achat-revente, etc. Et avoir gagné des sous. Donc on aura une tier 2 Limited déjà en U23, ce qui est excellent. Ensuite, on passe à la spécialiste rare. Donc j'ai mis une spécialiste rare. Alors, avec un gardien qui, je savais, n'allait pas jouer. Donc, Yuki Asaka. Donc, ça, c'est un gardien que j'ai pris pour l'avenir. J'espère que ce sera un pari payant l'année prochaine, voire dans 2 ans maximum. Mais ça, seul le temps nous le dira. On en reparlera quand ce sera le cas. Haruya Fuji, que j'ai pareil en toutes les raretés, lui, pour le coup. Enfin, à part unique, évidemment, parce que c'est pas du tout dans mes moyens. Et c'est pas du tout ce que je vise actuellement, en tout cas. Voilà, je suis très très loin de pouvoir aligner une équipe unique. Donc, Haruya Fuji. Un joueur que j'aime beaucoup, qui est très régulier dans ses bons scores. En fait, il fait jamais des mauvais. Enfin, très, jamais. Il y a toujours des mauvaises langues qui vont me corriger, mais en tout cas, c'est très rare qu'il fasse des mauvais scores. Quand il joue, déjà, il est jeune, titulaire, quasiment indiscutable cette année. Et en plus, toujours des scores complets très réguliers au-dessus de 20, qui lui permettent toujours d'avoisiner entre les 47 et les 65 de score total. Donc, c'est vraiment un joueur très intéressant. Je pense que dans une meilleure équipe, et je pense déjà qu'il pourrait prétendre aller dans une meilleure équipe que les Nagoya Grampus, et en plus de ça, je pense qu'il pourrait encore plus assurer les clean sheets, et du coup aller chercher encore plus des bons scores. Là, pour le coup, il va chercher un clean sheet en plus contre les Urawa Red, donc c'est vraiment pas facile, c'est pas un club simple à jouer. Il fait 23,4, alors bien sûr, il y a les 10 points du clean sheet, hein, donc en score complet total, il fait 13,4 plus le clean sheet 23,4, pardon, ce qui lui permet d'avoir 58,4. Deux scores complets, c'est vraiment un très très bon joueur avec un double-double à 4 points. Donc un joueur qui fait vraiment plaisir à voir et qui est là, je pense, dans la durée en tout cas, au niveau de ma galerie. Ensuite, on a Shinosuke Tanaka, vous savez le problème des Marinos, hein, c'est son club, c'est que l'entraîneur fait énormément tourner sa doublette défensive. C'est jamais les mêmes et honnêtement, c'est incompréhensible parce que Tanaka, il est clairement très bon. J'ai vu que récemment, parce que j'ai un peu d'avance au niveau de mes Game Week, à l'heure où je tourne, j'ai déjà 3 Game Week de retard. Donc, j'ai vu qu'il l'avait fait jouer aussi en milieu défensif et il a le profil pour, hein, ça, c'est pas un souci. Mais voilà, le problème au Marino, c'est que le coach change énormément ses compos. Et du coup, pour nous, joueurs de ce rare, c'est très difficile d'être sûr en fait, et ça c'est vraiment non négligeable quand vous jouez à Sora pour les débutants. Vraiment un bon scoreur, vaut mieux un scoreur un petit peu moins bon, mais qui vous êtes sûr qu'il soit titulaire tout le temps ou en tout cas très souvent, qu'un scoreur un petit peu meilleur, mais sur lequel on va y avoir 2 matchs sur 4 qui va pas jouer. Donc c'est très dur parce qu'en plus, Atanaka c'est un excellent scoreur. Malheureusement, cette année c'est pas son année, il a très peu joué. Il était revenu d'une grosse blessure, il a fait des matchs très moyens aussi, il s'est pris un rouge, il a été sorti, bref. C'est un petit peu l'hécatombe pour la défense des Marinos. Mais ça reste un très bon joueur, j'espère que l'année prochaine il aura plus de temps de jeu et qu'il va finir la saison avec les Marinos, même si actuellement on est plus sur du Eduardo, Tsunoda parfois, enfin voilà, il fait tellement tourner que ça change beaucoup. Ensuite on a Joel Shimafujita, pareil, qui me fait un bon petit match, un très jeune joueur des Marinos, qui était avant au Tokushima Vortis. Donc voilà, un joueur qui fait le taf, très franchement, c'est un bon petit joueur, qui joue plus milieu défensif, milieu centre. Pour le coup, là, il me fait un score à 12-8, donc ce qui est très raisonnable. Contre, faut pas l'oublier, les Kawasaki Frontale, qui est l'un des meilleurs clubs voilà, au Japon, même si les Marinos, cette année, font quand même une très belle saison, et d'ailleurs sont premiers actuellement. Donc voilà, c'est aussi un très bon club, c'est vraiment un choc de haut de classement. Et pour le coup, qui a tourné en la faveur des Kawasaki Frontale. Ensuite, on a Deya Tono qui joue
au Kawasaki Frontale. Pareil, vous le connaissez si vous suivez la chaîne, gros joueur espoir qui, malheureusement, pour moi, commence remplaçant. Il a joué que 28 minutes, donc forcément, en plus avec une carte attaquant, il a perdu beaucoup de points. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un joueur qui joue milieu central. Pour le coup, on n'aura du coup aucune reward sur cette partie, mais vu les scores, c'est clairement pas étonnant. La spécialiste rare qui ne payera pas. Ensuite, on a la championne Asia Rare Pro. On se souvient, on s'est quitté sur une très belle game week en championne Asia Rare Pro. Je mets toujours les deux mêmes titulaires qui sont Fuji et Matsuo. Pas de bol pour moi, Matsuo est rentré en cours de match. Et pour le coup, en plus, il se prend un sacré malus. Hein, voilà, il se prend. Et alors après, il a joué que 13 minutes, mais il fait moins de 1. Donc voilà, petit malus. C'est pas étonnant pour un joueur offensif voilà, n'est pas décisif. Donc forcément, voilà, il perd des points. Donc on sait que de toute manière, j'ai pas des joueurs indiscutables en super rare. J'ai pas des gros scoreurs comme j'ai en rare. Donc forcément, si mes super rares ne brillent pas, et en plus si elle commence remplaçant, bon bah je sais que la game week elle est terminée. Moi aussi, mais ça m'a pas empêché parfois d'avoir des très bons scores. Donc vraiment c'est le jeu. Et c'est ça qui rend aussi la chose intéressante. Ensuite, Kozaitani, pareil, titulaire avec Leshonnan Bellmare qui se prend 5 buts. Donc en plus, il a le malus de 3 buts encaissés. Donc il est à 15. Donc il part de très loin déjà. Et après, il a un tout petit score complet. Donc vraiment, quand j'ai vu le score, c'était terminé. Il n'y avait rien à espérer. Pour le coup, Kento Tachibanada qui participe à la victoire des Kawasaki Frontale. Il avait le Capitana, il fait 23-8. Donc Kento Tachibanada, normalement, c'est un joueur qui joue milieu défensif, voire milieu centre. Il dépanne cette année en défenseur gauche. Voilà, mais il est toujours très régulier dans ses scores. C'est un très bon joueur. Il est très complet. Il en pâtit un petit peu d'une petite taille. Voilà, malheureusement pour lui. Donc il n'est pas forcément bon sur le jeu aérien. Mais après, il est très complet ailleurs. Il est très actif. C'est un battant. C'est vraiment un joueur que j'apprécie. Enfin, c'est le profil de joueur que j'apprécie beaucoup. Donc je suis heureux de l'avoir dans ma galerie et surtout heureux qu'il fasse aussi des très bons résultats. Et ensuite, on a Kim Daewon. Kim Daewon, donc l'attaquant de Gangwon, qui pour le coup va perdre 2-1. Il ne marque pas de but. Alors c'est un attaquant qui peut être très bon sur son score complet. Il joue souvent milieu offensif gauche. Il n'est pas forcément en pointe. Mais voilà, un joueur très très intéressant, très gros scoreur. Cette fois, pour le coup, il passe à côté de sa game week. Il me fait 4,9. Donc voilà, en score complet. Un attaquant pas décisif qui en plus fait un petit score complet. Donc on est à 39,9. Donc on se doute bien qu'avec seulement 234 points, on ne pourra rien aller chercher. Donc on n'a pas de récompense. On était très loin d'une récompense. Mais bon, c'est le risque. On sait que de toute façon, l'Asia Rare Pro, je la joue en second couteau. Donc voilà, c'est pas forcément là que je m'attends à avoir les meilleures récompenses. Ensuite, on va avoir la All-Star Rare. Vous le savez, le but c'est d'aller chercher le deuxième palier minimum. Là pour le coup, j'ai fait une hybride. Donc j'ai fait une hybride pourquoi? Parce qu'on a Kyogo Furuhashi. Donc le Celtic a repris sa saison. Et depuis, je mets quasiment tout le temps Kyogo. Vous le savez, Kyogo c'est un petit peu la mascotte de ma chaîne. J'adore ce joueur. Ça me fait de la peine. J'ai réfléchi à faire une équipe autour de lui en All-Star européenne, rare. Pour l'instant, j'ai pas encore voilà, finalisé le projet. Mais j'espère bientôt le faire. En tout cas, c'est dans les projets. J'ai pas trouvé, ouais, j'avais pas le budget, j'ai pas trouvé quoi lui mettre autour, mais je réfléchis. Et peut-être que dans les prochaines vidéos, il y aura du changement à ce niveau-là. En tout cas, voilà, c'est un joueur qui est très dépendant de son score complet, son score décisif, pardon. Donc pour le coup, il met son but, donc ça fait 69-9, il a 9-9 de score complet. Donc voilà, Kyogo, c'est clairement le meilleur buteur des Celtics, ça, s'il n'y a pas photo. L'année dernière, il avait fait 2 saisons pleines parce qu'il était arrivé des Vissels. Au Celtic, en fait, les saisons sont en décalé, donc il avait fait toute la saison, enfin il avait fait même une saison et une demi-saison ensuite au Vissel. Il avait signé au Celtic, qui venait de commencer sa saison, donc en fait il a fait une saison et demie non-stop, quoi. Il a enchaîné les matchs, ce qui lui a causé quelques pépins physiques. C'est pour ça que l'année dernière, vous allez voir, il a des DNP, mais sinon effectivement quand il joue en plus dans une très belle équipe des Celtics avec un public formidable, c'est vraiment très agréable de voir jouer ce club. Si vous l'avez jamais vu jouer, je vous encourage à aller voir des matchs du Celtic. Si vous êtes des fans de foot et que vous n'êtes pas juste là pour gagner de l'argent, que vous aimez vraiment le foot, les Celtics, c'est vraiment très intéressant. En plus, ils ont des très bons scoreurs. Donc vraiment, c'est un super club. Moi, j'aime beaucoup regarder les matchs du Celtic parce que souvent, c'est un vrai plaisir. Et en plus, souvent, Kyogo Furuhashi marque. Et si c'est pas lui, c'est Jota. Donc ça décuple encore plus le plaisir.
C'est ça aussi la beauté de Sorare, c'est qu'on a encore plus d'enjeux au-delà de la passion, de l'équipe, etc. Quand nos joueurs marquent et quand ils font des bons matchs, c'est vraiment super. Donc vraiment un vrai plaisir. Il fait son match. À côté, Matheus, qui fait aussi un superbe match. Donc il met son petit but. Matheus, c'est un bon score complet. Là, il fait que 8-2. Il peut faire mieux. Mais bon, il est à 68-2. Le pari est accompli. Au-dessus de 60, c'est quand même des bons scores. En tout cas, pour le niveau de ma galerie et au niveau de ma profondeur de banc. J'ai pas pléthore de joueurs, donc je peux pas me permettre comme des grosses galeries. Voilà, j'ai pas forcément beaucoup de choix. Donc moi, si mes joueurs font tous au-dessus de 60, je suis quand même très content, même si évidemment, on va toujours chercher à progresser en termes de résultats. Ensuite, on a Otaru Yamaguchi qui est dans une équipe qui est en panique, le Vissel Kobe a beaucoup de mal cette année. Il y a des chances qu'ils descendent. Pour vous dire, l'année dernière, ils ont joué l'Asian Champions, enfin, cette année, ils jouent l'Asian Champions League, donc ils ont fait un bon classement. L'année dernière, mais cette année, c'est vraiment. Ils ont changé 3 fois de coach. Enfin voilà, ils sont en crise. Le Vissel Kobe est en crise, mais lui, Yamaguchi, c'est un joueur vraiment sur lequel on peut se reposer encore plus en termes de soir, parce que déjà, dans la vraie vie, c'est un très bon joueur. Quand on regarde ses matchs, c'est un bon joueur vraiment qui est au-dessus, qui porte un peu cette équipe en difficulté. Et pour le coup, il me fait 11-7 de score complet sur un match où ils perdent 3-0. Donc. C'est totalement correct, ça me fait 46-7 de score au total si on compte pas le bonus. Malheureusement, j'ai mis le capitana, j'aurais peut-être dû le mettre à un autre joueur. Mais bon, pour le coup, vous savez, j'évite de mettre le capitana aux attaquants. Alors, c'est un choix, c'est pas forcément le meilleur choix, hein, c'est pas un conseil ce que je dis. Mais parce qu'on sait que si les attaquants, en général, ils sont pas décisifs, très vite leur note peut être ridicule comparée à des milieux de terrain ou même à des défenseurs qui peuvent avoir des très gros scores complets et où là, du coup, le risque est modéré. Par contre, le jour où votre attaquant fait un gros match, forcément, eh bien, on regrette un petit peu si le milieu ou le défenseur n'a pas suivi à côté. En tout cas, je suis assez heureux de ne pas l'avoir donné à Keigo Tsunemoto. On l'a vu en limited, je ne vais pas m'attarder, mais qui fera un match moyen, en tout cas en termes de score, Sora. Et ensuite, on a Son Bunkum qui ne va pas assurer le clean sheet. Après, c'est contre Ulsan, donc c'est les deux meilleurs clubs, hein, Jeonbuk et Ulsan, qui se rencontraient. Donc voilà, forcément, je ne m'attendais pas forcément à un clean sheet. Mais vu que je pensais que Tani, lui, pouvait faire un clean sheet contre les Consadoles, voilà, j'avais mis lui plus en All-Star et Tani en Asian Super Rare Pro. Asian Rare Pro, pardon. Donc tant pis pour moi. Pour le coup, on va quand même chercher le deuxième palier avec 289 points. Ça ne sera pas suffisant pour emballer en plus du palier une carte rare. Mais c'est pas grave, l'objectif c'est le palier minimum. Donc on est dans l'objectif. Et c'est très bien, parce que l'objectif minimum, c'est palier 1, et là, on a le palier 2, donc c'est encore mieux. Et enfin, une All-Star Limited. Alors, c'est très rare que je joue la All-Star Limited, parce que les récompenses sont ridicules. Là, j'en ai joué une avec un petit peu ce que j'avais, et franchement, on fait le taf. On va chercher 336,14 points, ce qui nous permet d'avoir une tier 3 limited. On était à 24 points de la tier 2, donc on était quand même assez loin, on va pas se mentir. Maintenant, quand je mets cette équipe, je m'attends à rien. Et pourtant, Miyashiro, donc, qui est de retour, il a fait un début de saison sur le banc ou en réserve, on ne savait pas trop pourquoi. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas de réponse. Pour le coup, son équipe gagne 2-0 contre l'équipe qui avait gagné la J2 l'année dernière. Donc, il met son petit but, ce qui lui permet d'avoir 60 points vu qu'il a le premier palier du score décisif. Ensuite, il fait un score complet à 8. Vous, on le sait maintenant, les attaquants, en général, c'est des petits scores complets. Donc, c'est très correct. On a Kento Tachibanada, qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui fait pareil, un match solide. On a Kang Sangwoo. Kang Sangwoo, c'est un peu du tout ou rien avec lui. En l'occurrence, il joue avec Benjing, donc c'est en Chine. Hein. Lui, à la base, c'est un joueur qui joue en Corée et qui a été transféré en Chine dans un bon club. Hein. Benjing, c'est le club notamment, il me semble, qui avait accueilli Bakambu, par exemple. Donc c'est un club qui a une certaine assise financière, comme beaucoup de clubs chinois, malgré le fait que maintenant, ce ne soit plus. Le sport ne soit plus mis en avant en Chine, donc il y a moins d'investissements colossaux comme on avait pu voir à une époque. C'est un score très moyen, voilà, il fait 35 de score complet, et ensuite 35 de score décisif, pardon, donc le score de base, et ensuite moins 1,2 de score complet. Voilà, Kang Sangwoo, ça peut être un très bon scoreur, il a quand même assez. Il a quand même une fiche qui varie assez, c'est rare qu'il ait que des gros scores ou que des petits scores, mais on est plus sur un joueur qui fait des bons scores. Voilà, sur cette Game Week, ça passera pas malheureusement pour moi. Mais voilà, ça reste correct pour un joueur que j'ai eu pour 3 fois rien quand il était en instance de départ. Ensuite, on a Géziel. Géziel, il était blessé. Il est revenu au Kawa et on sait que c'est un très très bon joueur.
Il est revenu, il met un but et il fait 18-5 de score complet, donc 78-5 de score au total en 90 minutes. C'est un titulaire indiscutable des Kawasaki Frontale. Vraiment un excellent joueur, donc je suis hyper content de l'avoir gardé. Et je vais le revendre parce que vous le savez, moi je joue que la U23. J'ai quelques joueurs en rap parce que je les avais recrutés l'année dernière. Mais en l'occurrence, Gesell ne rentre plus du tout dans les plans, donc il va partir. J'attendais qu'il refasse des scores, qu'il revienne de blessure, parce que son prix forcément était augmenté d'un coup avec ses gros scores. Et je vais pouvoir le vendre au meilleur prix. Donc c'était l'objectif, clairement. Faut savoir être patient sur ce rare et attendre les bonnes opportunités. C'était un joueur blessé, j'ai attendu qu'il rejoue, qu'il refasse des gros scores pour le revendre à un prix optimisé. À une époque, il valait trois fois rien en limited. Si j'avais revendu juste parce que je n'utilisais pas sans voir l'avenir, ben, j'aurais perdu énormément. J'aurais peut-être divisé par deux ou par trois le bénéfice que je me suis fait sur Gesiel. En tout cas, on a Keisuke Osako en dernier. Keisuke Osako, vous le connaissez. Le goal d'Essafréché Hiroshima. Hiroshima qui fait quand même une bonne saison. Ils sont vraiment des bons joueurs, notamment en attaque. Hein. Des joueurs qui sont assez surprenants. À côté de ça, en défense, ça fait plus ou moins le taf. Et Osako, voilà. Très bon gardien, jeune. Donc vraiment, il régale. On a un bon score hein, pour le coup. On est au total à 64-6 avec le clean sheet. Donc le score décisif à 60 pour un gardien. Et 4,6 de score complet. Donc on arrive 1643e avec 336 points. Et donc une tier 3 limited. Donc si on récapitule un petit peu ce qu'on a, on a une bonne game week avec une tier 2 et une tier 3 limited et 0,030 ETH. Donc c'est vraiment très très bien. Voilà, si on fait 10 game week comme ça, on est quasiment à 0,4 avec la revente des limited en plus des paliers. Donc c'est vraiment, ça peut aller très très vite. Après, si on regarde un petit peu, on a Zardes, Muslera, Eduardo, Kyogo Furuhashi en top scorer. J'ai pas mis Eduardo parce que je vous l'ai dit, j'ai préféré mettre à Tanaka finalement à tort. En plus, c'était dans une underdog, donc je ne suis pas sûr qu'il passait. Ensuite, on a Mateus Castro qui fait un bon match. Tatsuta qui revient et qui fait un bon score aussi, que j'ai en super rare, Tatsuta. Donc, en l'occurrence, cette game week, on n'a pas fait des choix, en tout cas les meilleurs choix, mais ça reste une game week très très prometteuse. On va aller voir tout de suite les récompenses. Allez, let's go! Et on se retrouve donc sur le compte Sora pour ouvrir ensemble les trois récompenses qu'on a eues. Donc, pour rappel, on aura une récompense en U23, donc une tier 2. Potentiellement quelque chose de très intéressant. On se souvient qu'on avait eu Tsunemoto, par exemple, qui à l'époque était classé tier 2. Donc, on peut avoir des bons joueurs, surtout en U23, où on peut avoir des jeunes joueurs très jeunes et qui donc peuvent avoir un très gros potentiel qui va se révéler dans les années à venir, voire même dans les mois à venir. Et on va aller chercher une tier 3 limited sur la All-Star limited qu'on a joué. Donc on verra un petit peu ce que ce sera. Honnêtement, tier 3 limited, on n'attend pas quelque chose de foufou. Déjà, si c'est pas un joueur trop âgé, c'est déjà pas mal. Et on aura aussi le second palier avec les 289 points qu'on a fait All-Star. On était, je pense, pas très loin d'une récompense. Mais voilà. Eh bien écoutez, let's go pour ouvrir tout ça. Hop, on va récupérer tout ça. Donc on va commencer avec le palier en Ether. Comme ça, au moins, aucune surprise. On a nos 0,28 Ether, donc ce qui est très très intéressant. On va ensuite passer à la tier 3. On finira par la meilleure, la tier 2. Au niveau de la tier 3, je crois que c'est Universitarios, club argentin ou en tout cas d'Amérique du Sud. Déjà, c'est une tier 3, certes, mais c'est un jeune de 20 ans, donc c'est toujours intéressant. Ça peut combler les trous. On sait que les clubs d'Amérique du Sud, si je ne me trompe pas, ça c'est un club d'Amérique du Sud, jouent régulièrement en même temps que la J-League et que la K-League, donc ça peut toujours remplir des trous. Donc, Pablo Minisale, on ira voir ça tout à l'heure. Et on va ensuite aller voir la tier 2 Limited. On espère quelque chose d'intéressant. Si possible, une 23, notamment. Assez intéressante sur l'européenne parce qu'on a une petite limitée européenne, donc ça peut toujours venir faire du renfort. On découvre ça ensemble au niveau de cette tier 3. Pour le coup, ce ne sera pas une carte européenne. 18 ans seulement, un attaquant. Oh, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Pour le coup, John Duran, je ne connais pas du tout, du tout. On va aller découvrir tout ça sur Sora Data, voir un petit peu ce que ça peut donner et voir si c'est intéressant d'en garder, notamment ce petit John Duran là qui a l'air assez intéressant. Donc à regarder. On se retrouve sur Sora Data. Et on est donc sur Sora Data pour découvrir ensemble donc un petit peu les stats des deux joueurs, voir un petit peu si pour moi c'est quelque chose d'intéressant ou pas. Et
potentiellement, dans quel cas ça peut être intéressant si vous commencez sur soir, est-ce que ça peut être éventuellement des pistes que moi j'aurais tenté en début de jeu. Alors pour le coup, on va commencer avec la moins intéressante entre guillemets, Pablo Minisalé, donc un joueur qui sera U23 jusqu'en 2025, donc il a encore voilà encore quelques années en U23, donc ça par contre c'est non négligeable, c'est quand même assez intéressant dans ce sens. Donc on voit qu'il joue défenseur central. On va aller voir un petit peu tout de suite les 65 scores parce que bon, on voit là qu'il vaut pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Pour le coup, alors voilà, déjà, on est sur un joueur qui joue très peu. Si je pars un petit peu sur la période totale de couverture, ouais, il a très très peu joué. Donc déjà ça, en tout cas pour moi, c'est pas intéressant. Je vous le dis tout de suite, je vais pas le garder. Il va partir à la revente. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'est pas non plus extrêmement jeune, donc c'est bien dans un club argentin, Argentino Junior qui joue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour le coup, c'est pas non plus un très gros scoreur complet, on le voit régulièrement, ce qui est quand même assez surprenant pour un défenseur central. Il est souvent en malus, il a fait un bon match contre pourtant Boca Junior, qui est quand même un très gros club argentin, si ce n'est le meilleur avec River Plate. Donc pourtant ouais, il arrive à faire un bon score contre eux, un bon score complet je parle. Après c'est quand même pas au rendez-vous. Alors est-ce qu'il a évolué sur ses postes? Est-ce que j'ai défenseur central mais qu'il l'a pas toujours été? Vous savez sans doute que Soardata est passé payant, donc on n'a plus vraiment ces infos-là. On peut aller les trouver sur Transfermarkt si jamais on le souhaite, approfondir la recherche. Moi, en l'occurrence, c'est un joueur qui m'intéresse vraiment très très peu. On le voit, il a joué quand même pas mal de fois remplaçant. Il a fait un début de saison là qui était pas mal avec un 32-64. Mais là, il a commencé remplaçant. Pareil, il a fait un gros score complet. Je ne sais pas combien de minutes il a joué, mais ça pourrait être intéressant de regarder. Personnellement, voilà, que ce soit qu'on soit joueur débutant ou joueur confirmé avec une belle galerie, je trouve qu'il n'est pas intéressant. Cela dit, peut-être qu'il va faire une très grosse saison cette année, hein, attention. Mais pour moi, un joueur comme ça, qui est pas en plus, qui vous offre même pas la certitude d'être titulaire à chaque match, malgré le fait qu'il soit jeune, c'est quand même un très mauvais scoreur complet. Je le trouve pas intéressant. Peut-être qu'il partira dans un autre club et qu'il me fera mentir sur des résultats. Mais en tout cas, en l'état actuel des choses, franchement, Pablo Minisalé, je le conseille pas. Moi-même, voilà, je vais le vendre évidemment, en espérant qu'il parte. Enfin, vous voyez, son prix est dérisoire, hein. Il part pour trois fois rien ce joueur. Donc même si je garde, enfin ça fera pas une grosse perte, mais je suis même pas, il pourra pas me servir. Donc franchement, pas vraiment d'intérêt sur ce joueur. Donc écoutez, ça fait toujours plaisir de l'avoir en prix. Malheureusement, voilà, c'est pas un joueur hyper intéressant. On va tout de suite passer à John Duran. Donc alors, John Duran, pareil, un joueur de 18 ans, donc est U23 jusqu'en 2024. Donc là, vous avez quand même le temps de voir venir. On voit au niveau de son prix que ce soit en rare ou en limited, que c'est déjà un peu plus intéressant, même s'il ne vaut pas très très cher. Donc c'est un joueur qui jouerait en pointe. Son prix a pas mal chuté, hein, on le voit quand même. Je pense qu'il a dû faire des derniers gros scores. J'ai regardé, voilà, ouais, il a des gros scores qui ont été faits là. Puis ça a chuté. C'est un joueur qui, pour le coup, au vu de ses scores, ne joue pas régulièrement en équipe une. Enfin, en tout cas, dans le 11 de départ, voilà, il fait beaucoup d'entrées, vous le voyez avec son score décisif à 25. Ce qui veut dire qu'il est rentré en cours de match. Sur ses scores à 35, par contre, quand on fait appel à lui, alors voilà, là il a été décisif quand même pas mal de fois. Donc là, il a été deux fois décisif et là, une fois dans chaque match. Donc c'est quand même un joueur qui peut être décisif. Donc c'est intéressant, qui peut faire un score complet très correct. 17-60 pour un joueur, on vérifie quand même. Mais oui, c'est bien un joueur attaquant, il me semble, tout à fait forward. Donc c'est bien un attaquant. Donc il est capable d'aller chercher des scores complets intéressants. Alors là, on est sur un réel dilemme, je dirais. Si j'avais pas beaucoup de galeries, je tenterais peut-être de le garder pour jouer la U23 en étant conscient que ce sera vraiment un couteau suisse, vraiment le gars que j'utilise un peu en dernier recours. Pourquoi? Parce que voilà, il est très, très souvent remplaçant. Maintenant, ça n'empêche pas d'être décisif. Ce qui est à aller vérifier sur ce type de joueur, c'est le temps de jeu. Ça, c'est très, très important. On a vu qu'il a fait beaucoup de matchs remplaçants.
Là, sur ces matchs-là où il marque, est-ce qu'il est remplaçant? Est-ce qu'il a un match complet dans les jambes? Sur ce match-là, je serais tenté de me dire qu'il a un match complet parce qu'il fait, au-delà du fait qu'il fasse un gros score décisif, ça on peut faire une passe D, un but, ou deux buts, ou deux passes D en 20-30 minutes, c'est possible. Maintenant, il fait quand même 17-60 de score complet, donc ça change quand même pas mal de choses. Ça veut dire qu'il a eu quand même beaucoup de ballons, ou alors qu'il a juste été vraiment fulgurant sur le peu de temps de jeu qu'il a eu s'il a été remplaçant. Je pense très honnêtement que sur ce match, il a dû commencer titulaire. Mais voilà, c'est un joueur plutôt encourageant. Maintenant, il a que 18 ans. Il joue en MLS au Chicago Fire. À voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais très honnêtement, voilà, on est sur un joueur qui est capable de rapporter des bons scores. On le voit dans son club, je pense, formateur, ou en tout cas avant son dernier club national. Voilà, c'était quand même pas mal ce joueur. Donc, à surveiller, ça peut être un pari intéressant. Maintenant, clairement, moi, vous le savez, hein, dans ma galerie, il n'a pas du tout sa place. Je ne joue pas la MLS, je ne joue pas, enfin, je ne joue pas même l'América dans sa globalité. Donc, clairement, moi, il ne va pas être utile dans ma galerie. Maintenant, sur une team U23, ça peut être intéressant. Sur une team MLS, si on joue la chose en se disant, je construis une MLS pour l'avenir, ça peut aussi être intéressant. Donc, voilà. Il a quand même pas mal de promesses, ce joueur. Moi, je vais le vendre très clairement. J'en ai pas l'utilité dans ma galerie. En tout cas, dans son état actuel et dans mes objectifs. Maintenant, clairement, ça peut être un joueur qui peut être intéressant. Vous le savez, mon conseil, et ça, c'est quelque chose que je dis toujours au-delà des notes, etc. Si vraiment, on se lance sur un joueur, je conseille de regarder ses matchs, ne serait-ce qu'un ou deux matchs. Si vous arrivez à choper des replays, regarder des highlights, mais essayez de regarder au moins 2-3 matchs où il va jouer, même des matchs sans importance, par exemple des matchs de coupe qui sont un petit peu peut-être moins importants. Je ne me rends pas trop compte, la MLS, je ne connais pas vraiment le championnat américain, donc voilà, c'est clairement un championnat sur lequel j'ai de graves, enfin de lourdes séquelles dans mes connaissances, mais ce n'est pas du tout mon objectif, donc c'est normal. Maintenant, voilà, moi je pense que si j'avais eu ce joueur avec une petite galerie, je me serais très certainement, et si je comptais jouer à la MLS, je me serais très certainement tourné vers des vidéos et vers un ou deux matchs, voir un petit peu ses qualités, parce que clairement, on l'a vu, il est capable d'aller, notamment sur certains matchs, chercher des scores complets qui sont pas dégueux pour des attaquants. Donc c'est vraiment pas négligeable, vous voyez là, 10-10. Donc à voir un petit peu ce que ça peut donner, et dans des niveaux plus faibles, il est capable aussi de faire des gros scores complets qui avoisinent à peu près les 15. Donc voilà, donc vraiment des infos à prendre, un joueur intéressant. Je ne vais pas le conserver parce qu'il ne rentre pas du tout dans mes objectifs de galerie et que je mets mes objectifs de galerie avant l'achat-revente, etc. Donc pour moi, il est important de rester focus sur ses objectifs. Maintenant, voilà, ça peut être un bon joueur. Donc franchement, on est quand même pas mal gâtés. Et voilà, les gars, on a fait un petit peu le tour des rewards, un petit peu que j'ai eu, de mes compositions, etc. Vous avez eu les explications. Si ça vous a plu, si vous voulez ne pas louper les prochains épisodes, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche, à laisser un petit commentaire si vous avez des questions, des remarques, etc. Ce serait avec grand plaisir. Et à liker la vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Allez, ciao l'équipe!